Salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur Total War Remastered pour le départ d'une nouvelle campagne avec la faction de la Numidie, une faction qui a sa place grosso modo en Afrique du Nord, le Maghreb, donc on va dire Maroc, Algérie, bon, Tunisie, c'est Carthage qui s'occupe de ça actuellement, et une petite et un territoire du côté de la Cyrénaïque avec, dans le désert, je pense. C'est à Siwa si je dis pas de conneries. Ouais, c'est une des campagnes qui est difficile. Bon, la campagne précédente qu'on avait fait avec les Parthes, c'était très difficile. Bon. On va s'accrocher, on va tout donner. Je vais voir comment on va faire pour cette campagne. Allez, on est parti. Les Numides se démarquent par une cavalerie qui est la meilleure d'Afrique, pour ne pas dire du monde. Ces guerriers chevauchent par monts et veaux sans selle ni bride, utilisant uniquement des bâtons pour diriger leur monture. Malgré cette technique peu orthodoxe pour laquelle ils sont célèbres, cette armée se déplace avec la grâce et l'élégance d'un vol d'oiseau. Ok. Campagne qui se rend difficile, difficile. 15 provinces, Carthage a explosé. Ce sera un petit peu le topo. À mon avis, on peut peut-être faire un petit tour aussi vers l'Espagne, hein. Je pense que ça va être au programme. Je vais essayer de voir aussi s'il n'y a pas une possibilité de négocier quelques traités avec les Romains, puisqu'ils seront en guerre contre Carthage, donc pourquoi pas récupérer ça. Et peut-être un petit conflit avec l'Égypte, mais bon, on va essayer de le retarder le plus tard possible, parce que l'Égypte peut être très très vénère. Allez, on est parti. Et au passage, merci à Rakin. Alors, on va faire un petit topo de la situation. T'as pas le son du jeu, mais c'est pas possible. Dis donc, là, tu fais une mise à jour et... Tu fais une mise à jour de Nvidia et tout foire. Bah, d'accord. Alors, attends. Ah, j'en ai marre. Alors, audio. Je vais mettre par défaut, je sais même pas sûr que ça marche. Alors, est-ce que l'on m'entend? Est-ce qu'on entend le son du jeu? Bah là, je sais pas. Là, je te jure. C'est pas celui-là. Alors, est-ce qu'on entend le son du jeu? Je vais peut-être le remonter un petit peu. Salut, Momon. Alors, je viens de monter le son du jeu. Est-ce que vous l'entendez ou pas du tout? Ah bah tu diras ça aux mises à jour, Momon. Hein. J'ai fait une mise à jour, tout s'est détraqué. Le micro, le son. Normalement là ça devrait être bon. Mais c'est quoi de ce merdier? Ah, attendez. Vous l'entendez toujours pas? Ouais, parce que là il y a eu une coupure, ok, il y a eu le changement. Normalement vous devez entendre une petite mélodie, quelque chose comme ça. Ah ok, bon, là c'est la musique à la séance, c'est bon. Bref, on va laisser comme ça, des fois un peu de chaotisme, ça fait pas de mal. Alors, on va regarder un petit peu notre situation avec la Numidie. On possède 4 régions. Waouh, c'est un beau bordel ça. Alors, on possède que Tingi en Mauritanie, Dimidi en Gétulie, Sirta en Numidie, et la quatrième ville, Siwa en Libye, qui est à la frontière avec le royaume d'Égypte. Youpi, ça commence bien. On a un port ici, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Parce que franchement, le départ avec les Numides, ça va être l'enfer, littéralement. Je vois qu'on a plusieurs temples. Donc c'est la même culture carthaginoise en gros, hein. Alors, déjà ce que je pensais faire à Siwa, on a un gouverneur, c'est faire des murs et un diplomate. Les murs parce qu'on a la frontière avec l'Égypte, parce que ça risque d'être dangereux, et le diplomate pour aller vite chercher un traité. Donc là on est pas mal. Par contre on perd déjà de l'argent d'entrée de jeu, ça pue un peu. Je sais qu'il y a une ville, alors j'ai plus son nom, je crois que c'est Sirta, elle est quelque part au sud là, il me semble qu'elle est là. Je vais faire une économie, hein. Il me faut une économie. Le défrichement. On est bien, tu vas me dire, on va bientôt passer au niveau 2, donc c'est pas la priorité. Mais j'ai envie de te dire une route. Oui. Je vais faire aussi une troisième, une unité de javeline ici. Et là, on a un héritier. Ensuite, à Tingi, on pourrait déjà améliorer la ville. La ville là. Donc ça fait qu'on aura une ville au niveau 2. On va le faire tout de suite. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai envie de te dire un port. Voilà. J'ai envie d'embarquer toutes mes forces. Je dirais que la ville est par là, logiquement. Et je vais mettre les taxes en fait pour le moment. Très bien. Et par ici, je vais essayer d'envoyer une petite armée du côté de Sirène pour récupérer la ville. Voilà. Donc là, on va faire nos premiers mouvements. Par contre, ici, on n'a pas de flotte. C'est embêtant contre Carthage. Je pourrais faire une unité de javelinier pour tenir l'ordre public. Et avec cette armée, je pourrais foncer Fissa pour combiner à Sirta. Voilà, ouais, bon, on va être dans le déficit, ça commence bien. Oh, ça va être le cauchemar cette campagne, ouais. Donc là, j'ai mis à 105, j'ai mis en faible, je peux remonter un peu. Toute façon, il nous faudra des traités commerciaux, au moins avec l'Égypte. On va essayer, hein. De toute façon, moi j'ai jamais fait cette campagne humide. On a un espion, tu me diras. Il peut se rendre là. Il y a une petite armée de Carthaginois là. On va les revenir, on va les regrouper à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il veut? Non. Au revoir. Alors je fais peut-être une erreur, vous me direz, mais je vais tester, hein. Oh. Mais en vrai, si on arrive à tomber Carthage tôt dans la partie, économiquement, on pourrait bien revenir, quoi. Ah bah génial. Bon, on va se prendre du déficit, hein, fallait s'y attendre. On a localisé une nappe dans le Sahara, bon, c'est toujours une bonne chose. Tu es corrompu, qu'est-ce que tu... Bah, on fait au mieux, Momon. Hein. Votre Altesse, tout de suite, je suis votre porte-parole. Je vais même leur proposer une alliance, tiens, pour sécuriser. Et je vais aussi demander un paiement unique de 7000. Et vous imaginez, 7000, ils disent exigeant. 5000. Si je peux leur taxer 6000, ça serait magnifique. Une proposition des plus généreuses. Eh, c'est pas beau ce qu'on vient de faire là. On vient de se sécuriser la frontière est pour l'instant. Bon, je vais faire un deuxième ici.
Oula, ils vont où eux? Voilà. Hop, on va élever les taxes à fond, on va se regrouper. Bon là, pour le moment, économiquement, ça sauve un peu. Je vais faire un second port ici à Tingui. Et là, mon armée va se mettre en route pour Nept. Comme ça, on aura déjà une bonne partie de l'Afrique du Nord. Bienvenue, cher ami. Je t'offre un accès militaire. Monte tes infos de carte. Une proposition des plus. Parfait. Généreuses. Comme ça, on sait avec qui. Je me demande si les demandes en paiement unique n'est-il pas une arnaque avec l'IRA. Ça, à un moment, je sais pas trop, je pourrais pour te dire. Ok. Alors, je vais regarder un petit peu où on est Carthage actuellement. Carthage est en guerre déjà avec les Scipies et les Julies, ce qui m'arrange un peu. Alors, je vais faire un temple ici. Alors, à Sirta, on est quoi? La Numidie, ça m'a l'air bien fertile. Hein. Ou sinon, on fait un truc économique. On va faire un hôtel de Melkar ici. À Tingui en Mauritanie, on va faire pareil. Comme c'est deux ports, donc on va essayer de jouer là-dessus. On va faire des murs ici. Je vais faire un hôtel de Tanit. Là, à Dimidi. À Siwa, c'est frontalier. Et je vais faire des routes. Quoique des routes, c'est peut-être une erreur. Mais un port supplémentaire, comme ça on aurait trois ports sur cette façade, la façade de la Méditerranée, ça serait pas mal. Par contre, je peux pas trop faire de troupes. Putain, moins 504, hein. Ah, calme, hein. Tiens, c'est curieux, l'armée carthaginoise, elle vient vers moi, c'est bizarre, ça. Bon, pour le moment, hop. Je vais juste voir un peu ce qu'ils ont à l'intérieur. Ok. Par contre, ici, il faudra que je fasse des tours pour sécuriser, hein. Alors à Sirène on a quoi? On a 3 unités. Je ne vais pas faire de mercenaires pour l'instant. Vous le sentez arriver le coup de Trafalgar là? Ça va, je vous dérange pas les mecs. Des routes, allez. Il nous faut de l'argent de toute façon. Là je vais tout de suite améliorer la ville au niveau supérieur. Bah tiens, comme c'était pas prévu. Bon, on a des généraux, alors je me souviens plus c'est quoi exactement avec eux. Garde rapprochée du général. Bon, on a 3 cavaleries, on a de la cavalerie de javelot. J'ai regardé un petit peu leur armée déjà. Ah bah alors je viens de décéder, c'est pas un coup de bol ça les gars, je sais pas ce que c'est. On a un frondeur, ils en ont un. Donc en vrai, si on pourrait harceler les éléphants, les faire paniquer et les démonter. Là, je surveille un peu Carthage. Donc le nouveau chef de faction, c'est Asdrubal. Ok. Sinon, là. Alors attends, on va pas laisser le siège. Ils ont quoi? Ils ont ça, ils ont ça. On va tenter de s'emparer de Nept pour commencer. Une petite bataille. À mon avis, cette campagne, ça va pas être de la tarte du tout. Ouais. Mais je pense que si on arrive à choper rapidement, peut-être, enfin, choper Carthage dans les 50 premiers tours, l'économie elle va commencer à dérouler. L'heure est venue de faire couler le sang. Voilà. On a un frondeur, je rappelle. Hein. Oh, se dépêche. Unité, unité,
ils sont où leurs troupes? Ils ont tout regroupé à l'intérieur, c'est ça l'idée? En vrai, on pourrait faire un beau combo front d'or archer avec les Numides, si on veut une chance. Oh, oh, ils vont me charger, ça. Allez, on va les bousiller, comme ça le capitaine ici tombe. Hop, parfait. Et d'un, on recule. Allez, go, dégage. Foncer dans le tas. C'est une boucherie, hein. Quel ennemi formidable ! La terreur ! La victoire est douce. On a perdu 54 hommes. C'est vrai qu'à un moment, je devrais peut-être penser à monter les tailles d'unité, moi. Il y en a qui veulent des unités avec 300 soldats, mais c'est trop chaud, quoi. J'ai eu un commentaire récemment, bon, je m'en fous, hein. Moi, j'aime bien. On va occuper, hein. On va pas être fifou non plus. Voilà. Ok, bon. Nept, c'est pris. Ça fait 5 villes. Alors, si on voudrait 15 villes, admettons. Ils ont un javelinier. Mais si on prend Sirène rapidement, on pourrait se mettre bien en vrai. L'infanterie, alors, qu'est-ce qui pourrait poser problème dans cette arme? Les frondeurs, les éléphants, à la limite. Alors juste avant de sortir, je vais aligner bien mes troupes. J'ai 3 généraux là-dedans, je rappelle. Hein. C'est déjà une grosse bataille d'entrée de jeu. Alors général, c'est le cavalier. C'est ce cavalier à bouclier rond. Peut-être aussi je pense à un moment à monter à Lepsis Magna, comme ça je pourrais mettre une bonne pression sur Carthage. Alors les généraux, vous allez vous préparer. Alors, où sont les frondeurs des Baléares? Où ils sont là, ok. L'ennemi sur Benna. On va tenter d'harceler leurs éléphants avec ça. Allez, ce bleu, ça craque de partout. Oh, le carnage qu'on fait là. Oh, c'est beau. On va essayer de semer la panique dans leur armée. On va reculer. Oh, la carnage qu'on est en train de faire là. Ils ont pas dû aimer ce qu'on leur prépare. Ouais. Attention aux éléphants ici. Hein. C'est pas qu'ils ont le cuir épais, mais ils ont le cuir épais. Allez, une bonne charge là. Allez, allez me chercher ces mercenaires numides là. Allez, comme ça on va choper tout ça et nous on va dégager les autres mercenaires dans le coin. Vous avez plus de javelot déjà? Bon, c'est pas mal. Ils ont encore quoi là? Ces deux-là, j'ai essayé de les dépêcher pour aller à chercher les éléphants. Et je vais sortir mon groupe ici également. Bon, on va nettoyer toutes leurs petites troupes, comme ça on sera peinard. Je vais tenter d'harceler les adversaires. Bon, par contre là il faudrait un petit peu répondre les gars.
Y'a les éléphants derrière, attention. Vous, allez me les chercher. Comme ça, moi, ils vont être occupés. Si le général s'isole bien, on peut faire un truc. On a perdu deux hommes. Ils ont perdu la moitié de leur armée. Oh, il y a un éléphant qui est en train de tomber. Oh là là. Attention à la panique. Oh là, attention. Ces éléphants vont pas craquer facilement. Il fallait s'y attendre. Il y a lui qui a encore un peu de munitions. Est-ce que tu peux t'occuper de ça? Vous, par contre, non. Attends, il se replie. Bon. Alors viens là toi. Je vais essayer de la tirer comme ça. Putain. Alors les frondeurs, vous allez tirer sur les autres frondeurs en face. Allez, engage-toi. Oh là, attention. Allez, oust. Le Carthaginois, tu rentres chez toi. Le général ennemi a été tué. Voyons ce qu'il reste de courage dans le cœur de ses soldats. On va vite se replier là parce que ça pue sinon. Allez, on va aller chercher les éléphants ici, les éléphants, les trucs là. Il reste quoi? Milice urbaine, infanterie ibérique. Attention, là, l'éléphant, on approche. Là, les javelots, il faut que vous fassiez votre boulot après contre les éléphants. Voilà. Là, ils sont complètement en déroute. Allez, une petite charge là. Bleu. Quels ennemis formidables! La terre va voilà. Fuir le champ de bataille! Qu'est-ce qu'il reste? Oh bah les éléphants, c'est fini là. La victoire est pour vous! Ouais, ce que je dis aux Carthaginois qui tentent de nous faire un sale coup. Très bien. Bon, je pense qu'on va aller peut-être pousser une petite contre-attaque sur le Carthage même. Hein. C'est ambitieux, vous me direz, mais je pense que c'est réalisable. Bon, je pourrais pas reformer de troupes. Je vais me mettre en route tout de suite, là. Tant pis pour les rebelles, mais là, j'ai une opportunité, je vais la jouer. Hein. En plus, c'est l'armée principale, hein, je rappelle, qui arrive. Qui arrive toujours là-bas. Alors, par contre, là, on a plus beaucoup de... ouais, on a plus beaucoup de taxes, tu m'étonnes. Bon. Carthage est complètement sans défense. J'ai quand même surveillé ici. Normalement, il y a, dans le coin, il y a Tapsus. Donc, logiquement, les Romains, ils devraient avoir, je pense, au moins Caradis. Ouais, je peux toujours pas faire de flotte, c'est ça qui est embêtant à l'heure actuelle. Là, je vais attendre pour le siège. Ici, il faut que je fasse gaffe parce qu'avec les Égyptiens, on sait jamais. Bon, l'économie, c'est pas la joie. Ah oui, des rebelles qui assiègent maintenant, c'est nouveau ça. Aïe, 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 je te jure. La première fois que je la vois, celle-là. Bon, vous trois, allez-y. Vous posez le siège en attendant. J'espère juste qu'on ne va pas se faire contre-attaquer. Et ça, j'en ai peur par contre.
Ah bah moi ça m'a assez rare, je vois ça perso. On va dégoupiller ces rebelles et on va vite faire volte-face pour aller renforcer l'armée. Il y a quoi là? Du Pégu, du javelot. Allez, maintenant, ça suffit les conneries. Vous m'emmerdez. Ouais, oust. J'ai autre chose à foutre là. Alors, Carthage attaque parce qu'effectivement, la Numidie est une de ses cibles, mais aussi l'Espagne en Ibérie. Hein. Bon, là, faut tracer l'ami. Hein. Faut que je perde pas mon armée. Évidemment, l'Egypte. Évidemment. Aïe, 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 ça se goupille mal, les gars. Ça se goupille très mal. Il va ressortir. Bon, là, ils sortent en Cyrénaïque. Voilà, faudrait que je tente un move avec l'Egypte. Je propose une alliance. Je leur donne. Je déconstruis tout à 6 bois. Et ensuite, je leur rends la ville. Allez, venez. En plus, ils ont des phalanges. Hein. Je pourrais tenter une charge directe sur les. Comment ils s'appellent ? Bon, déjà, ça, c'est fait. On recule. Attention à l'impulsion. Voilà, très très bien. Maintenant, avec les javelins, on va essayer de faire un truc. Là, les javelins, ils ont perdu. Oh, ils ont perdu quasiment. Alors, vous allez me tirer là-dessus. Et donc, les javelins, vous aimez pas du tout, les gars. Recule. Bon, au moins là, la milice optique, elle va vite tomber. Pendant ce temps, mon général va aller foncer sur les javelins qui sont en arrière. Attention, vous n'avez plus de javelot. Vous allez reculer parce que vous allez vous faire massacrer si vous faites rien. Vite, vite, vite. Non, vous êtes sérieux, refermé. Allez. Qu'ils explosent bien leur flanc là, ça m'arrangerait. Ce général est un ennemi parfait. Il refuse l'affrontement et prend la fuite. Est-ce vraiment la peine de le tuer? Allez. Qu'est-ce qu'il reste encore? Bon. On va tenter une petite charge sur les côtés, hein. Quoi. Allez, ce bleu. Le général est un ennemi parfait. Il refuse l'affrontement et prend la fuite. Est-ce vraiment la peine de le tuer? Ouais, on arrête là les dégâts.
Voilà. Oh, il commence à former de l'infanterie punique, attention. Aïe. C'est pas que ça pue un peu là, mais ça pue un peu les mecs. Je doute que les Carthaginois vont se laisser faire. Là, si je perds mon armée, je suis très mal. Mais bon, la trahison de l'IA, c'est quand même anormal. Hein. Aïe, aïe, je suis bloqué. Ouh là là là, ça, ça pue. Il faudrait que j'arrive à désinguer cette armée. Ils ont ramené d'autres renforts en plus derrière. Je sais pas comment je vais faire ici pour m'en sortir. Parce que là on a 8. Ils sont combien? 8 et 3, 11. Et 2, 13. Là on est à 3 et 8, 11. Donc on a 2 unités de moins. En vrai on peut vite dégager certaines de leurs unités je pense. Cette carabouclier bouclier va poser plus de problèmes en revanche. Pressez-vous, notre patience a des limites. Contre le coup de l'Egypte, là, ça fait quand même chier, quoi. Ah non, ils ont arrêté, j'ai pas compris. Pressez-vous, notre patience a des limites. Une plaisanterie à un point douté. Et dire que j'ai passé la population au fil de l'épée. Il faut que je fasse quelque chose là. Alors normal, faible. Ouais, on va tenter de monter un peu les impôts. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Ouais, on perd de la démographie si on fait ça. Ouais. Bon, on va essayer de dégager au moins cette armée-là. Et si on peut détruire les deux autres derrière. En vrai, cette armée-là, on peut vite la battre. Elle a deux frondeurs. Et lui, il a... Oh. Alors, Asdrubal, il sortit avec ses pitiés, ouais. On va la tenter, hein. En vrai, si on détruit tout le monde, là, on peut peut-être faire tomber Carthage. Et là, je vous jure, c'est la fête si on fait tomber Carthage. On ferait mal à l'économie, hein, ça c'est sûr. Alors, ils ont quoi? Les renforts sont arrivés et viennent consolider vos forces. L'ennemi a fait la preuve de sa couardise. Il a prévu des renforts, ne comptant que sur le nombre. Ils ont beaucoup de cavalerie, c'est ça le problème. Hein. Je pourrais tenter un mouvement de provoque, mais je suis même pas sûr que ça passe. Je vais tenter de pourchasser leur tireur numide. Est-ce que ça va être le bon plan? Attention. Allez, go. On va essayer de détruire leurs tireurs les uns après les autres. C'est bien, les tireurs en humide, c'est fini. Il y a quoi qui reste? Oh, il y a le garde du corps, le premier garde du corps qu'on pourrait tenter d'aller chercher. Vas-y, amène-toi, amène-toi mon grand. Moi, je vais te chercher ça. Alors ça donne quoi ça là-bas? T'es sérieux? Vous allez perdre contre des frondeurs, des balières? Sans déconner. Eh bah tiens. Tu perds... Allez, premier général qui tombe. Allez, on va essayer de les flanquer ceux-là pour pas qu'ils reviennent. Vous par là. Allez, on va sacrifier ça là-dessus pour les retenir un minimum. Allez, abattez Asdrubal, putain, abattez-le. Alors je vais perdre.
Oh, quoique. Oh, on... Allez, go. J'ai perdu deux de mes généraux. Ah bah ça a été sanglant. Putain. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Il reste quoi à l'intérieur? Oh, 6 soldats, vous êtes dégueulasse là. Bon, on va vite poser le siège sur Carthage. J'ai envie de vous dire, on va pas se poser de questions. Si Carthage tombe, parfait. Et là, on va pouvoir se mettre bien. Alors déjà le temple grec là on va le dégager. On va faire un temple de en hommage à Melkar. On va réparer ça. Par contre là il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Des routes. Ah si là on va avoir une petite économie intéressante. Le temple de Baal on va le supprimer je pense. Non on va le garder. On va faire de la cavalerie aussi là. Je vais reformer une unité ici en plus, en renfort. À 10 midi, on va faire un autre javelinier. Je vais faire quoi maintenant? Ça. Ici, je vais faire de la croissance, une route. Bon, bah, la prise de Carthage, là, franchement, ça va nous débloquer pas mal de choses. Hein. Je pense même que je vais pousser sur Tapsus, tiens. Bon, même si... Oh, ils ont déjà des armes, attention. Génial, on a adopté un nouveau général. Il sera pas de refus, lui. On a un autre général ici à Sirta, c'est cool. Alors, il est où notre héritier de faction? On en a un autre. Je suppose que c'est celui qui a Sirène, c'est ça? Ouais, je m'en doutais. Bon, on va faire une tour. Il y a l'armée égyptienne qui campe là, ça m'inquiète un peu. Et je vais peut-être faire aussi une baraque de milice ici pour avoir de l'infanterie du désert. Et là, avec cette armée, je vais sortir juste avec ma cavalerie. Une route aussi à Carthage, ça sera pas de mal. Hein. Pressez-vous, notre patience a des limites. Alors, attends. Alors Carthage, on va regarder un petit peu sa situation, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'il lui reste comme ville. À Venise, je dirais qu'il lui reste trois villes. Je dirais qu'il lui reste les Baléares, Cordoue et Tapsus. Je pense pas qu'ils ont eu le temps d'aller chercher encore... Non, ils n'ont pas encore eu le temps, regardez, ils sont pas allés chercher encore les petits magnats. Nous, il nous la faudrait pour faire une jonction. Là, ça fait qu'on a combien de territoires? On a 7 territoires, les amis. Hein. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, cette armée-là, on va essayer de les dégager. On va commencer à construire une petite flotte. Là, mon but, ça va être d'essayer d'envoyer un diplomate chez les Scipi pour négocier du commerce et une alliance, puisqu'on est en guerre contre Carthage.
Alors c'est quoi ça, milice urbaine, et derrière c'est de l'infanterie ibérique. Allez, croquez tout. Allez, nettoyez-les. Et on a perdu 0 soldats. Ah, ça fait plaisir des fois des petites batailles comme ça. Au prochain tour, on va chercher Tapsus. Alors on a 7 unités de cavalerie. 8. Ils ont 2 navires. Hein. Moi j'en ai qu'un, je vais pas tenter une attaque. Défrichement ici. Défrichement là-bas. On va continuer de faire grimper notre population. Aïe, ils reviennent hein, les Égyptiens. Mais faites. Pourquoi vous faites des alliances s'ils nous entubent derrière hein. Oula, là il y a du peuple. Ok, ça calme. Hop, on va les bloquer à l'intérieur. On est à 9 contre 6. Je vais faire un troisième navire plus un diplomate. Je vais le reformer tout de suite. Je vais même monter un peu les impôts. Hop. Elle sort d'où cette armée au fait? Bonjour. Bon, on a beaucoup de mobilité, ça c'est un avantage. Ils ont 2 généraux les sacs. Elle sort d'où? Non mais sérieux les cyber, vous allez vous y mettre aussi maintenant. Sans déconner. Où mon ne me dis pas qu'il était là-dedans. Ah oui, ça va, vous ramenez en masse, vous tranquille. Hein. Bon, ils sont repartis, je sais pas pourquoi. Bon, bref, je vais pas me poser de questions. Je vais tenter un truc. Avec lui, je vais poser le siège. Voilà. Et eux, je vais essayer de les démolir avec toute ma force de cavalerie là. Ah putain, je peux plus. Je vais réessayer un truc. Pas au point, quand même. L'alliance avec l'Égypte, je suis désolé, elle est tout à fait au point. Je lui ai demandé de l'argent en plus, il a accepté. Je suis pas tout à fait d'accord, Momon, là-dessus. Je veux bien tout ce que tu veux, mais ça, non. Faut que j'arrive à le bloquer, lui. Voilà. Il va attaquer le plus faible. Après, ils disent que c'est du 50-50, tu me diras. Bon, allez, on va la tenter. Bah ouais, mais bon, au moment où t'as vu l'économie que j'ai au début, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas lui revendre ma ville, quand même. Oh, on pourrait peut-être choper leur général s'ils sont sur ce côté. Ils sont où leurs renforts là? Ils sont à droite.
On va éviter. Attention tout, hein. Là, le but, ça va être de tenter de choper les renforts ennemis avant qu'ils se regroupent. Oh, quoique, attends, c'est quoi ça qui m'envoie? Cavalier à bouclier rond. Eux, on va les garder. Allez, go, là-dedans, bousillez-les. Aide. D'autres clients? Alors, c'est quoi ça? Infanterie ibérique. Bah, viens. Allez, dégage. Et de deux. Contre-charge. On recule. Oh, là, il y a un petit coup à jouer. Ça y est, ça commence à tomber petit à petit. C'est bien, là il est en train de perdre beaucoup d'effectifs le... Changer de cible, sans changer de cible. Le roi ennemi prend la fuite. Il va probablement se terrer dans son palais au milieu de Zeribond. Oh, le carnage qu'on fait là. Oh, ça tombe, ça craque de partout là, c'est magnifique. L'ennemi prend la fuite. Boutez-le hors du champ de bataille. Il reste quoi là-bas? De l'infanterie ibérique. Bon, c'est pas mal du tout. Il nous reste 5 cav... Il nous reste encore 16 unités là à gérer. On va éviter de se les combattre près de la tour parce que ça va être cauchemardesque. Ils ont encore la cavalerie à bouclier rond. Ok. Moi j'envoie ça. Non, ils se replient pour l'instant. Ils ont quoi là derrière? Des tirailleurs, ok. J'attends juste de me reposer un peu. Il reste quoi encore en vie? Allez, on va faire une petite charge qui va complètement les anéantir là. Voilà, hop, plus de morale, bisous. Pas mal du tout, ils sont plus que 13. Ils ont quoi là? Deux infanteries ibériques, ok. On a perdu 3 hommes, ils en ont perdu 400. Hein. Je sais ce qui sort. Hein. Alors vous deux, par là. Oh, la belle charge qu'on peut faire là si on joue bien le coup. Allez, un capitaine en moins, allez, ramasse. Voilà. Ça va les calmer comme ça. Et en plus, on récupère la ville. Allez. Putain, les Ibères, ils veulent pas me lâcher. Hein. Évidemment. Carthage a toujours sa flotte.
Bon, bah c'est pas mal. Allez, oust. Alors toi, tu vas aller là. Et là, j'ai un bug. Ok, bon. On va dégager ça déjà. Ça dégage. Je vais refaire de la cavalerie à bouclier rond là, on va en avoir besoin. Je peux faire quoi d'infanterie maintenant? Ouais. On va faire un peu d'infanterie du désert pour céder ici. Et je vais faire aussi des écuries. Là je peux faire quoi? De faire un hôtel en hommage à Melkar et un port. Par contre, là, les Espagnols, vous exagérez. Hein. Et bien sûr, ils continuent de m'envoyer des armées à gogo. Comment ça, j'ai eu 3 défaites? Ah oui, parce que je me suis replié, ok. Ok, je comprends pourquoi j'ai peut-être pas eu le succès. En fait, faut pas se replier à chaque fois. Alors, mon... Je vais te proposer une alliance du commerce. Une proposition des plus généreuses. Parfait. Les Scipions ont aussi récupéré l'île là-bas. On va repartir pour le moment à Carthage. On va se reformer la flotte et on va rajouter une autre cavalerie. Là, il faut que je joue sur ma mobilité. Voilà, là, on peut les battre. Une fois que j'aurai cette deuxième cavalerie, j'irai chercher... Bon, allez, je vais la faire, celle-là. J'avais dit que tôt ou tard on devrait aller en Ibérie. Hein. On va essayer de les provoquer un petit peu. Ok. Bon. On va tenter une charge là-dedans. Allez, on y va, on les cartonne. Le général ennemi fuit comme une poule mouillée. Attaquez, brisez la volonté de ses troupes. Ouais, c'est bon. Les rebelles en moins encore. Après, sinon je pourrais tenter le transport, mais ça va être long. Hein. Il me faudra 3-4 tours. Est-ce que je conserverai pas la ville le temps 2? Par contre, là, à Sirta, il faut faire quelque chose. Hein. Bon, j'ai 2 généraux, je pourrais peut-être en embarquer un troisième. Ils reviennent encore, hein. Ils en ont. C'est un truc de dingue. Hein. Bon, tu sais quoi? On va y aller par la mer. L'espion, tu vas revenir avec moi. Je vais aussi emmener mes 2 généraux par là, comme ça, ils seront déjà un peu d'avance. Donc là, on aurait 11 unités, plus 2, ça ferait 13. Ils ont beaucoup de cavalerie, ils ont une unité de chien qui va être pénible.
peux me mettre en route juste ici. Et évidemment. Ils ont une armée. Oh là là, ils sont chiants ceux-là. Salut Tom Tom, comment tu vas? Après j'ai un jeu. Eh mais attends, je peux peut-être amener des renforts moi. Bah vas-y, je vais les amener, hein. Je vais pas les laisser tomber. Ça va, on fait au mieux. On joue la campagne de la Nudie qui est pas simple du tout. Hein. On est attaqué par les Égyptiens à Siwa en constante. On a réussi à prendre Carthage, alors avec beaucoup de réussite. On avait une petite armée, notre armée qui était piégée, on a réussi à venir avec nos généraux et à taper dans le dos. Donc voilà, après on fait au mieux, là on est en train de survivre à Tingui contre les Espagnols qui vont déclarer la guerre sans raison. Ah, ils ont pris la ville. On va essayer de la récupérer rapidement. Bon bah là on perd aussi la ville. Je pourrais pas la récupérer, dommage. On perd deux villes en un tour, ça c'est dur. Bon, par chance on a encore Carthage. Donc la Carthage, ils ont toujours Cordoue, ça c'est une bonne chose, entre guillemets on va dire. Je vais rajouter une cavalerie de réserve ici, un lancier là, un autre lancier ici, une route. Je suis votre serviteur, je suis à vos ordres, je suis à vos ordres. Donc je vais essayer de trouver les Psis Magna, je sais plus où elle est. Ah elle est là, on l'a trouvé. Ils ont deux unités, bon globalement ça va. Je pense que j'ai envoyé quelques cavaliers. Eh oui, défaite cuisante, bien sûr. Tu gagnes la bataille, bien sûr. Tu veux pas s'emballer à Mars. Le jeu, j'aime bien comment il te troll. Hein. Il te met une autorisation large comme le bras. Bah non. Bon, c'est pas grave, on va contourner. Eh, on pourrait recruter deux Mercos. Là, on aurait une petite force supplémentaire. Ça serait pas déconnant. Je vais faire en sorte de vite me pointer ici. Comme ça, là, on fera la jonction avec toutes nos forces. Et on pourra peut-être aller dire deux mots aux Numides. Aux Espagnols. Oula, ils rapatrient déjà leur armée, attention. Allez, oust, hors de mon chemin. Bon. On a 4 cavaleries de mêlée. Qu'est-ce qui pourrait nous poser problème dans cette armée? Les chiens, c'est pas le problème. On va essayer de les pulvériser, les hypermuses, ça va être chaud. Ils ont beaucoup de tireurs, ceci dit, donc il y a moyen de faire quelque chose. Et la deuxième armée, ce qui me poserait plus problème, c'est peut-être leur scutari. Je sais pas ce que ça vaut contre la cavalerie. Les chiens, normalement, c'est que contre l'infanterie, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça. Ah non, ça effraie les unités ennemies proches. Ok, toutes les unités, d'accord. Bon. J'ai 4 généraux, ce qui est pas dégueulasse, mais bon. On va essayer d'aller reconquérir un peu Tingui, hein. C'est quand même une ville qu'on avait de base. Alors, je vais tenter un move. On a notre cavalier qui est supérieur à la leur. On pourrait peut-être tenter un truc, hein. Oh là là, je sais pas ce qu'elle fait l'IA, mais là, elle fait une grosse erreur pour moi. Si on parvient à briser cette armée... Vous pouvez peut-être foncer sur les chiens. Là, on peut tellement faire de dégâts. Allez, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu.
Oh, le carnage là. Oh, allez, go go go, on fonce là. On fonce, on fonce. Bon, là c'est les mercenaires numides, ça va encore, c'est pas le pire. Et on va me dire. Les chiens, on les a eu ou pas encore? Bon. La cavalerie, vous allez arrêter de tirer pour l'instant. Allez, rasez tout. Comme ça, on sera peinard. On va essayer de bloquer cette cavalerie pour pas qu'elle revienne. Et même le général avec, tant qu'à faire. Allez, paf, ramasse. Alors, ils sont où ces trois-là? Bon, là, la plupart de leur armée, elle a pris tarif, hein. Attention au Scutari au centre, hein. Donc là, la cavalerie doit plus se reformer. Attention. J'ai tenté une grosse charge là. Allez, on va aller chercher ce qui reste là. Ils tiendront pas si on met la pression. Allez, on les lâche plus là. Allez, un autre capitaine en moins. Ça va. Il y aurait 50 soldats sur les 1100. En vrai, dès qu'on vous arrivez un peu à micro-gérer la cave, ça va quoi. C'est sérieux, j'ai des agents là-dedans. Bon. Oh, il va y avoir une révolte à Tingi. Tiens, ça m'arrange rue. Toi, tu vas essayer d'aller chercher là. Et peut-être qu'on pourrait débarquer à Cordoue, hein. Sans déconner. Je vais faire deux cavaleries ici. Et une cavalerie de javelot là. Je vais faire des routes. Est-ce que je suis toujours allié? Normalement, je suis allié avec... Ouais, les 6 piges, je suis allié. C'est une bonne nouvelle. Une petite flotte en plus là. Je vais faire un marché à Sirta. À Neb, je vais faire des murs. Quoique c'est pas la priorité, les murs, c'est le développement. On n'est pas trop exposé pour l'instant, mais on sait jamais. Carthage, on va faire des égouts pour la croissance. Pour l'hygiène, pardon. Allez, je rigole s'il y a une révolte. Allez, go. Je vais prendre juste un mercenaire pour ça, pour le principe. Ils n'ont plus de troupes là-dedans. Allez, Oust. Allez, Oust. Oh, il y a une grande armée, là. Bon, il y a beaucoup d'infanterie, mais bon. Bon, là, on respire un peu mieux, hein. Je pense qu'en vrai, avec cette 4 cavalerie, si on peut capturer les 6 magnés, on peut se mettre bien. Par contre, avec mon armée là, je vais me replier.
prêt à naviguer. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, ça va. Je vais servir juste pour rééquilibrer. Cavalerie humide, ça sera utile. On aura déjà un début pour former des troupes. Au moins, la Mauritanie, c'est fait. Tu sais quoi, je vais l'embarquer lui aussi. Et on va aller voir ce que ça donne là-bas. Bon, c'est de la milice urbaine, ça va. Notre passion, ça délimite. Si nous pouvions nous entretenir. Oh non, t'es gourmande. Bon, d'ici 2-3 tours, on est bon, hein. Et on aura des psys magna. Là, je vais faire une autre tour. Il y a une armée égyptienne qui arrive, attention. Je peux recruter de Mercos. Si je peux recruter ça, mais ça serait pas la peine. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Alors je vais me remettre là-dedans. J'ai envoyé mon espion là. On va l'envoyer espionner Cordou pour voir ce qui nous attend. Ça sera mon dernier mouvement pour clôturer cette session. Oh putain. Ah oui, ils ont tout lâché là. Ok, il a réussi. Croissance d'un bourg à Sirte. Il y a une troisième armée là. Je l'avais pas vu. On va tout de suite améliorer la ville pour être tranquille. Alors, on va juste regarder vite fait les territoires. Je vais voir ce que Carthage possède encore. Donc, ils auraient plus que deux territoires Carthage. Donc, Cordoue. Et je pense qu'ils ont les Baléares. Donc, on est en guerre, je rappelle. Alors, pour terminer l'épisode, donc on s'en est plutôt bien tiré. Bon, dommage pour la perte de Siwa et de Tingis. Mais bon, je pense qu'on va vite les récupérer. On a une petite force de cavalerie qui est en route pour chercher les Psys Magna Tripolitaine. C'est plutôt pas mal. Donc si tout va bien, on pourra peut-être récupérer... faudra tenter une grosse bataille ultime. Contre Carthage, quoi. Mais ça va être chaud, ils ont tellement de Mercos, là. Quand je me demande ce qu'ils ont comme défense à... sur l'île de Balear, donc à Palma, quoi. Enfin bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.